Américain pas besoin faire la guerre. Américain juste besoin disrupting, c'est-à-dire créer chaos de façon à ce que pour l'autre partie pas construit force pour yo challenge américain. Effectivement, si nous gardons bien, c'est politique américaine en matière de politique étrangère. Si vous regardez bien, c'est ça la fait. Américain, dit aux Américains pas besoin de gagner la guerre. C'est pas dit Américain pas doit faire la guerre. C'est gogozé. Il pas dit Américain pas doit faire la guerre. Il dit Américain pas besoin de gagner la guerre. Il just besoin faire la guerre just pour disrupt things, pour create chaos. So l'autre partie hein, en quelque sorte moun ki ta rien mais vinn camp en face li pour yo pas capable gain strength. Build up strength pour yon ka challenge li. Effectivement, c'est là ça, m'te gete comprendre dynamique là. C'est ça que m'te dit, Poutine font erreur. En pile, moun pas fin comprendre. Ça vle dit, en d'autres termes. Monsieur vle faut comprendre que, Américain pas besoin de gagner la guerre. Ils disent besoin de créer chaos. Chaos, ça vle dit, pour le bay moun équation. La marche bon, équation pour résoudre. Depuis qu'on a gagné équation pour résoudre, ou pas de temps pour camper, pour build up. Ou pas de temps pour assurer strength. Ou pas de temps pour, effectivement, c'est ça le fait. Il crée chaos. Côté, l'elle passe son côté. Il quitte un trou. Ok? Il quitte un trou. Effectivement, là, tout le monde, n'a couru. Et puis, on va jamais prêter ça. Attention à ça. Oh, Amérique n'est pas gagné, guerre. Amérique n'est pas gagné. Amérique, en réalité, lui est déjà en top. Américain déjà en tap, li pas besoin de gagner guerre. Li besoin créer chaos pour moun, pour l'autre pays pas arriver. Dans statut de quoi pour challenger. Et c'est, this is the problem. Et depuis où elle arrive dans une situation, li campé yon guerre d'affaires, et puis retirer quand li quitte chaos, quand fin quitte chaos, là elle challenge yon l'autre. Et c'est ça, oui.